Campé ici, qui présente trois artistes. C'est une exposition personnelle, c'est trois expositions personnelles de Jean-Eddy Rémy, Falaise Peralta et de l'artiste qui a été brutalement assassiné en novembre dernier, Jean-Anderson Belloni. Cette exposition a été conjointement réalisée par la Fondation Africa America et Tamise et a reçu le support de l'ambassade de Suisse et également de CDB, de la Banque Intercaribéenne de Développement. Et donc cette exposition permet donc de présenter ces artistes-là, et elle arrive dans un contexte déjà assez difficile. Et depuis quelques années, maintenant depuis 2 ans, Africa America a lancé ce plaidoyer pour la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel d'Haïti et de la Caraïbe, qui est le village artistique de Noailles, qui est un foyer de plus de 75 ateliers d'artistes en fer découpé et qui représente vraiment un joyau exceptionnel. Et un trésor pour le pays. Donc, cette exposition que nous avons pu réaliser, non sans difficulté, elle représente le travail de plus d'une dizaine d'années de ces trois artistes. Certains d'entre eux ont commencé avec Africa America. Et vraiment, on montre un travail exceptionnel au niveau de l'art contemporain. Et j'espère que cette exposition sera vraiment pleinement appréciée de tous. L'ambassade de Suisse s'était vue avec on avait vu une vidéo il y a à peu près une demi-année, l'année dernière, un cri d'alarme justement du village que j'avais vu. Et on a décidé tout de suite de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour aller au secours de la communauté des créateurs et des artistes. Et on a essayé de commencer tout cela. En plus, juste quand on a décidé de commencer le dialogue pour le programme, brutalement, on a eu la nouvelle de l'assassinat de Jean-Anderson Belloni. C'était un choc pour tous. On ne savait pas quoi faire en réalité. Et on a dit, c'est encore plus important maintenant d'agir encore plus vite. Donc, on a contacté tout de suite, bien sûr, vous l'avez mentionné, la Fondation Africa America, que je remercie beaucoup, avec, bien sûr, en coordination avec Tamise, qui est, on est en lien étroite avec Tamise, donc on a décidé de vraiment faire cette coopération avec les deux organisations pour accompagner justement et penser qu'est-ce qu'on pouvait faire. C'était vers la fin de l'année passée. Et donc, on a commencé à cuisiner et à préparer les ingrédients pour ce que vous allez voir à l'intérieur. C'est quelque chose qui n'est pas seulement ici, c'est quelque chose qu'on veut amener aussi au village, parce qu'il y a des artisans et des artistes qui viennent de d'autres endroits pas sécurisés. Donc, il y a un problème de sécurité ici au Port-au-Prince, je ne dois pas vous le dire, vous le savez très bien. Et cela a un impact sur le village, parce que le village n'est plus visité, est comme isolé. Il y a bien sûr de la production qui reste là. Et donc, l'idée, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut, nous, de l'ambassade de Suisse, appuyer le village, mais aussi faire connaître les œuvres, revoir ensemble ce qui était important pour avoir cette assistance aussi à tous les artistes. Donc pour moi, c'est un grand plaisir d'arriver maintenant en mars. C'est 6 mois de dur travail, et vous l'avez bien dit, pas toujours facile de créer et de penser cette exposition qui est seulement un début
d'une coopération, de la coopération suisse pour le village de Noailles, qui a beaucoup plus de besoins. Il est très grand, il y a beaucoup de gens qui font des choses merveilleuses. Et donc, c'est comment on peut amener. Donc, si nous, on ne peut pas aller là-bas, comment est-ce qu'on peut amener les œuvres pour la partie de cette partie de la ville, afin que tout le monde puisse les acheter, les voir, les admirer, etc. Donc l'idée de ce programme, c'est aussi un peu de faire connaître encore plus les merveilles que vous faites là-bas et comment est-ce qu'on peut aussi vous appuyer financièrement. C'est ça. C'est beaucoup de gens qui travaillent, mais ils ne savent pas quand est-ce qu'ils vont peut-être vendre quelque chose et avoir une entrée pour leur famille, pour leur bien-être, parce qu'on ne peut pas créer seulement et pas vendre, vous le savez très bien, n'est-ce pas? Donc, c'est ça un peu l'idée de la création, qu'on voulait, par revanche, justement, créer ces capacités. Les capacités sont là, mais de faire ce pont entre nous, le vernissage, les artistes et surtout les deux fondations qui nous ont bien appuyés. Donc, les activités de la Suisse continuent justement pour rendre hommage, mais aussi pour rendre attentif à toutes les choses qui se passent à Port-au-Prince et pour appuyer justement tous les artistes qui en ont besoin. Et on va commencer une nouvelle programmation à partir de cette année jusqu'à 2024. Donc, on aura un bon paquet pour la culture, parce que pour nous, la culture a un rôle crucial dans la coopération. C'est vrai, c'est l'agriculture, c'est vrai, on est aussi dans les territoires, c'est la reconstruction du Sud. Il y a beaucoup de choses à faire en Haïti, mais la culture, c'est vraiment un pont qui peut permettre justement d'appuyer les artistes, de faire connaître Haïti avec des autres facettes, et pas seulement de parler de tout ce qui va mal, mais on doit aussi parler de toutes les belles choses qu'il y a justement ici pour promouvoir le dialogue, l'expression culturelle et bien sûr la promotion de la paix. En guise de rappel, avant de vous laisser plus tard admirer l'exposition vraiment des locaux, l'ambassade de Suisse en Haïti est vraiment entièrement à côté des artistes et il veut rendre hommage permanent aux artisans haïtiens et soutenir la créativité. Donc, j'espère que ce désir va gagner d'autres bailleurs de fonds, d'autres personnes. Rappelez-vous que chez nous, donc j'invite les journalistes, mais aussi tout le public présent aujourd'hui à visiter l'ambassade de Suisse, parce que chez nous, à l'ambassade de Suisse, chaque étage, il y a des décorations faites par les artisans du village. Donc, c'était quelque chose qu'on avait commencé déjà avant. Et maintenant, on va continuer avec ces grands hommages de l'art qu'on va voir après dans le vernissage. Plaisir. Et je vous dis à que pour nous capables et inviter nous à regarder le travail. Moi. Et c'est un plaisir, je vous dis à pour que nous exposions ensemble avec l'autre artiste frère, en tant que Péral, qui là, et Belloni, regretté mémoire, et qui n'est pas là, mais le travail est là. Et ça qui gagne, que si on a parlé de problème, parce que un artiste, il produit. S'il produit, il n'a pas qu'à monter le travail là, il vient frustré. S'il produit tout, il n'a pas qu'à vendre sa queue, il produit à tout, c'est un autre problème, parce que pour le produit, même s'il a fait récupération, il y a une grande partie là-dedans que le bon dépense, qu'il fait tout. Et quel que soit que moyen artiste a gagné, niveau artiste, c'est que il prend plaisir la produire, il prend plaisir la vendre, il prend produire la présenter travail. Il y a ce plaisir ça que nous prenons journée aujourd'hui, que nous gagnons longtemps, que n'a jamais là en coin et pas gagne activité culturelle, pas gagne espace parce que galerie ou vient fermer. Et pas de galerie, pas de espace pour capable de montrer. Et nous disons merci beaucoup avec la Fondation Afrique América et Musée Georges Loto qui prend décision, ça, je ne vous dis pas, qui parle à Guénoye. Parce que là, nous, à troisième édition Noailles Campé, première édition a été faite dans le village là, deuxième édition a été faite là, et nous avons troisième édition. Et nous avons dit que Bayeux qui a supporté Afrique América,
pour être capable toujours supporter parce que son gros travail qui a fait journée jeudi à nous trois, il me pense que c'est pas non seulement qu'il y a de l'autre artiste tout en dans village là que et Africa America avec Adak avec Bayoyo et avec Focal tout le monde qui est capable de supporter pour que nous montrer travail artiste ça yo parce que nous dit tout à l'heure le artiste ça pas qu'à monter travail il est frustré il a un problème parce que c'est quand comme tu as dit que on fuit qui enceinte et puis 9 mois pour qu'on faire petit là 10 mois pour qu'on faire petit là dans 2 3 ans que il peut qu'on faire petit là il kembe petit là ça veut dire que c'est ouais parce que livré et ainsi que un moment comme ça un moment d'exposition son moment tout que artiste a communion avec public là par rapport à critique et il y a bail parce que ces critiques là c'est des critiques qui permettent d'avancer pour le que qui côté il peut aller plus loin parce que artiste tout lui même tout il pas jamais vraiment satisfait de travail il y a parce que son travail qui toujours après travail parce que si tu pour t'arrêter après taper encore c'est pour ta remettre mais il est obligé passer tout long l'autre et support long l'autre et surface etc pour poursuivre et production pour poursuivre création et moins voyons beaucoup de chapeau avec toute l'autre et artiste qui l'a coin parce que c'est pas moi seulement gain l'autre artiste qui dans l'autre région yo parce que Haïti son pays d'artistes et artisans et qui a souffri et la même ça que nous hier à journée aujourd'hui et dans tout sa pays allié il y a voyé une lumière positive pour que énergie positive là couvrir pour capable craser énergie négative là qui a bail problème parce que énergie négative là l'a viré trop longtemps et Haïti pas qu'à tomber Haïti pas qu'à mourir mais normalement souffrance là même chacun connaît les dur les difficiles déplacement yo et les difficiles si nous sommes capables de prendre une région comme nous, nous avons dit que l'eau est noire, c'est que c'est quand nous avons une porte de zone et Caraïbes internationales pour tellement tout le monde, toute couleur à mélanger, vient visiter, vient regarder et puis comprendre que même nous, l'eau est regardée, que les déserts et travaillons là, ateliers là, nous avons plus que 80 ateliers que qui là, que dans une série d'artistes. Qui est obligé. Oui, et qui est obligé de changer métier parce que il y a un artiste qui a la chauffeur moto, il y a son loterie, il y a un artiste qui est obligé à le Brésil, à le Chili, il y a un artiste qui est obligé à la République Dominicaine parce que récemment que Africa America a été organisé avec le musée Georges Otto un concours, mais là concours là c'est comme si que n'a essayé pour promouvoir jeunes mais gagner des jeunes qui est obligé à Saint-Domingue. Il y a des jeunes qui sont obligés de reconvertir le métier qui est. C'est que il y a tout ça, et je pense que c'est dans toute communauté et artistique ou bien artisane pays d'Haïti. Hein? Moi, je dis encore merci que je suis content que nous là, que nous avons gardé, invité de l'autre monde, même gens que est chargé d'affaires là, l'ambassade de Suisse, ça dit tout à l'heure. Comme nous n'avons pas dans le village là, mais nous avons une exposition là, invitez amis nous, partagez. Et information sur les réseaux sociaux pour que y ait plus de monde qui vienne, qui est capable de faire des sorties, qui est capable d'admirer un peu de noyé. Et l'exposition qui est là, c'est une exposition qui est intéressante parce que si on monde connaît faire des coupes il y a 10 ans de cela, 15 ans de cela, et on a pris que c'est un remaniement et vraiment son lot de bagaille. De ça, on monde qui est gardé des sujets qui sont traités, il y a et 10 ans, il y a 15 ans de stade de souffert des coupures. Et moi, salue tout le monde et à la ronde Badé, moi salue et remercie tout et monde qui là aux journalistes, aux bailleurs, parce que c'est grâce à eux même qui bail financement qui là parce que j'ai une exposition qui était dû faite mais elle toujours à préporter et nous salue aussi un grand financeur qui c'est Focal. Parce que une part de deal parce que Focal c'est lui-même qui aide nous et l'ambassade de Suisse vient rejoindre nous mais nous gagnons vraiment faut qu'elle pas laguer nous.
et nous inviter de l'autre bailleur, nous inviter de l'autre monde à mettre main presque là où tout que nous gagnons un bel projet ensemble avec lui-même tout que c'était lui-même la première noix et campéa qui était des musées à commencer et acheter œuvres dans mes artistes pour et collection musée et da vraiment gagner de l'autre monde qui remette parce que le musée Georges Otto dit vraiment commencer gagner vraiment une collection qui est intéressante et il manque en pile de l'autre œuvre à rejoindre parce que c'est pas une collection qui est basée sur noir seulement son collection qui peut prendre de toute l'autre et secteur et dans art là et moi dit merci parce que nous là moi content nous faire déplacement et m'a remercier en avance moun kap gen pour faire déplacement pendant et jodi a jusqu'à le 30 et sur exposition a vini avec famille nous jusqu'à 31 avec famille nous zami nous vinn balader vinn discuter artiste a là gen moun qui pour recevoir nous et me dit un gros merci un gros coup de chapeau avec maison du fort qui recevoir exposition merci beaucoup et bon visite.